Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Kingdom Come Deliverance. C'est l'épisode 28. On joue avec Thérèse. Je pense qu'on s'approche de la fin de l'aventure avec Thérèse. Scalis a été envahi et j'essaye de retrouver mon frère. Et ça implique faire des détours de malade pour arriver à remonter jusqu'à la mine. Alors... Ah, c'est bon, ça passe. Sans avoir à affronter trop de coumans, puisque j'ai découvert bien déçu que je ne pouvais pas porter d'armure. Je pense que c'est pas par une optique de... Ah, mais non, une femme, ça sait pas porter une armure, mais plus par une optique de... Ça se faisait pas trop à l'époque. Et surtout, on veut un peu de challenge pour le joueur. Donc on lui impose de ne pas porter d'armure tant qu'il joue avec Thérèse. Donc je peux pas devenir un super combattant comme Henri. Je peux me débrouiller très bien à l'arc ou à la hache. Mais je peux pas porter une armure qui me protège efficacement. Alors on va espérer que la galerie soit pas condamnée. C'est un survivant ou c'est un... Enfin, c'est un survivant de nous ou un couman? Tu respires encore? Espèce de sale merde. Gaïlada. Je t'ai dit de crever, bordel. Oh. Mathieu et Fritz. Dieu merci, tu t'en es sorti. Et ton père, et Stibor. Non. Vous avez vu Samuel? Ouais, il est à l'intérieur. Mais écoute, Thérèse. Ils l'ont salement tailladé, tu sais. On va te conduire à lui. C'est pas sûr par ici. Moi aussi, je suis salement tailladé. Oh, la cinématique, j'ai lâché ma dague et je l'ai récupérée. Bon, attention aux petits détails de ce genre. Fritz, va dire aux autres qu'on partira bientôt, dès le coucher du soleil. On devrait barricader le passage derrière nous, au cas où ces salauds essaieraient de nous suivre. Très bien, occupe-toi de ça. Thérèse, Samuel est allongé là-bas. Oh oh. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé à Samuel? Je sais pas. J'étais pas là quand ça s'est produit. Et il était sûrement ici, dans la mine, quand les coumans sont arrivés. Il a de la chance de s'en être tiré en vie. Ouais, on ne peut pas en dire autant du reste. Combien de survivants sont avec vous? Une dizaine ou un peu plus. On s'est réfugiés dans les mines quand les coumans ont attaqué. On attend juste le bon moment pour s'échapper. Et après, que comptez-vous faire? On attendra la tombée de la nuit et on se faufilera dehors. Avec un peu de chance, ces ordures seront trop occupées à piller la ville pour nous remarquer. Mais où voulez-vous qu'on aille? Pas encore décidé, ça. Sûrement à Thalmberg. Rovna, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Y a rien d'autre dans les parages, de toute façon. Et si jamais ces fumiers s'en prennent aussi à Thalmberg? À mon avis, on devrait plutôt aller à Sasso. Sasso, c'est pas la porte à côté, Fritz. Mais si on n'a pas le choix, on verra. Ok. Merci, je vais aller voir mon frère. Ne partez pas sans nous. Thérèse! Oh, Samuel, tu es vivant!
Quand je t'ai vu allongée par terre comme ça, immobile, je pensais que... Thérèse, aide-moi. Je t'en prie. J'ai mal. J'ai mal, c'est atroce. Où est-ce que tu as mal? Partout. J'agonise, Thérèse. Oui, Sam. Thérèse, je veux pas mourir. Oh, Sam, tu ne vas pas mourir. Je ne le permettrai pas. Je suis là, près de toi. Montre-moi ta blessure. Là, c'est grave. Pas vrai. Alors... Faut tenter le truc médical, je sais pas si ça va passer. C'est une sacrée blessure, mais les bandages t'ont sauvé la vie. Ça ne saigne plus. C'est un bon signe. Ouais. Je saignais comme un goret, Thérèse. Ma tête. J'ai la tête qui tourne. Ne t'en fais pas et tâche de te reposer. Dès qu'on sera sorti d'ici, je t'emmènerai voir un médecin. Comment as-tu reçu cette blessure? Ces païens nous ont barré le chemin. Dans la galerie, avant qu'on ait pu voir quoi que ce soit, ils étaient déjà à l'intérieur. C'était ignoble. On n'y voyait rien du tout et il fallait qu'on passe. L'un d'entre eux m'a attaqué. Je ne l'ai même pas vu venir. Il faisait si noir. Les cris et les hurlements. Ça ira, Sam. Tout va bien à présent. Tu t'en es sorti. Ouais. Ces ordures s'intéressaient plus à l'argent. Papa et Stibor, où sont-ils? On va être honnête. Oh, Sam, je suis désolée. Ils les ont tués. Ils les ont tués tous les deux. J'étais là et moi aussi, ils auraient pu m'avoir. Il ne reste que nous deux, alors? Papa et Stibor, je sais qu'ils jouaient parfois les imbéciles, ou pire encore. Mais Dieu les pardonnera, pas vrai? Oui, Sam. Dieu verra dans leur cœur qu'ils étaient de bons hommes. Ils sont avec maman maintenant. Avec maman? Oui. Écoute-moi, Samuel. Il faut qu'on sorte d'ici. Il fera bientôt nuit et ce sera sûrement notre dernière chance. Je suis pas sûr de pouvoir. Mais tu as raison. Si ma blessure ne saigne plus, alors allons-y, Thérèse. Oui. Merci. Pourquoi? Tu t'es toujours occupé de moi quand j'étais petit. Et écoute, Thérèse, si je ne m'en sors pas, tu dois me promettre de te sauver, et... Tu te tais tout de suite, Samuel. Allez, lève-toi. Les autres nous attendent à l'entrée de la mine. Allez, viens, je vais t'aider. On va voir si on arrive à le sauver, le petit Samuel, mais... J'ai des doutes. Oh, en voyant les torches, on voit la sacrée armée que c'est. Où veux-tu aller? Nous allons tenter de passer par Rovna. On dirait qu'ils sont moins nombreux dans cette direction. Mais Thérèse, et Samuel alors? Samuel? Il va venir avec nous, évidemment. Thérèse, il tient à peine debout. Il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce que t'essaies de dire? Il est coriace, il faut l'avouer. Mais nous devons nous déplacer rapidement. Et Samuel nous ralentirait. Mathieu, tu ne t'attends quand même pas à ce que je l'abandonne ici? C'est à toi de décider, Thérèse. Je fais que résumer les faits. Même s'il était capable de nous accompagner, je doute qu'il survive au voyage. Je suis navré. Mmh. Ah ah, là, on a des choix. Ah.
Je sais pas bien quoi choisir. On peut Alors vous tenter partez, ça. et je reste ici. Vous pourrez m'envoyer de l'aide depuis Thalmberg. T'es sûre de toi, Thérèse? Tu ferais mieux de venir avec nous. Je ne peux pas abandonner Sam, Mathieu. Je n'ai plus que lui. Je le soignerai et on attendra jusqu'au matin. Allez tous à Thalmberg et dites-leur ce qu'il s'est passé. Le seigneur Divich est un bon ami du seigneur Hatzig. Il fera de son mieux pour vous aider. Je vois que t'es déterminé à pas changer d'avis. Il reste plusieurs torches dans la mine. Et tu devrais pouvoir trouver assez d'eau pour nettoyer les blessures de Sam. Oublie pas de changer ses bandages. Merci, Mathieu. On va dire que c'est l'option qui lui est... donne le plus de chances de survivre. Thérèse, si... Puisse le Seigneur veiller sur toi. Mathieu. Je t'enverrai de l'aide dès que nous serons arrivés à Thalmberg. Sois prudente. Très très beau l'arrière-plan. Bon, c'est sinistre, mais... Avec toutes les flammes là-bas. Alors, quel est mon objectif maintenant? Soigner Samuel. Ces bandages sont imbibés de sang. Il va falloir les changer. Et je devrais trouver quelque chose pour soigner les blessures. Quelques plantes, au moins, pour éviter une infection. Et de l'eau pour les nettoyer. Mathieu a dit qu'il en restait quelque part dans la mine. Donc, les trois étoffes de lin pour panser les blessures de Samuel. Ok. Ah, et elles sont quelque part dans la mine. Du souci et de l'eau. Eh bien, c'est parti, on va voir si on trouve 6 bandages feront mieux à l'affaire que du lin. J'avais 6 bandages sur moi, d'accord. Est-ce que du coup j'ai un choix d'interaction avec lui ou pas? Ah, ça c'est au cas où j'ai pas de flambeau. De la nourriture. Il y en a deux? Ah, il n'y en a qu'un, on dirait. Ok. D'habitude, les sacs se vident. Alors. Il me manque encore pas mal de choses. Ah mince. Je perds mon temps ici. Ok. 22h. Alors, on peut aller le plus à droite possible. Ah, c'est bouché par là? Ah, à portée de l'eau, bah oui. Logique. Je ne peux pas partir, il faut que je m'occupe de Sam. Ah bah là aussi il y avait de l'eau. Ah mais je pouvais pas la prendre ici je pense. Je suis censé cueillir du souci. Et quand même trouver du lin. Par contre la cueillette de nuit... Je vois à peine le bout de mon nez dans cette pénombre. Je pourrais ordonner à Magnon d'aller les chercher. Ce serait plus rapide. Oh. Je peux faire ça? Voyons ce que tu vas faire. Cherche.
Tu cherches là? Par là? Accident. Ok, il y a des trucs. Bon chien. Voyons ce que tu cherches. T'as trouvé un truc par là? Ou c'est ta façon de chercher? Là, ça c'est pas du... pas ce que je voulais. Il y en avait par ici, j'ai pas... Non, c'est pas les bonnes plantes. Fallait du souci. Regarde, tu vas... J'espère que ça va pas l'empoisonner. Il y a de la consoude partout, mais... Est-ce que j'ai plus d'informations dans la quête? Alors, trouver 10 soucis, 3 étoffes de lin. Je suis dans la zone B. Ah, je pourrais aller jusque là-bas. Ah, le souci, c'est là-bas. Ok. Ah! C'est l'accident sur lequel il doit y avoir des étoffes de lin, probablement. Sauf que je n'en ai pas vu. Elles sont par terre. Je dirais pas, il n'y a pas de coffre. Il y avait juste ce sac par terre et il ne contenait pas des étoffes de lin. Si. Bandage. Mais j'ai 6 bandages et il m'a dit 6 bandages c'est assez. Je suis légèrement perdu, c'est pas grave. On va essayer de retrouver le chemin. Ici. Ah, je suis déjà trop loin. Quel chemin? Ah, je vois. Ok, alors si on va par là, on est censé rentrer en zone C. Oh, ça brûle bien. Il y a toujours autant de... de lampes allumées. De torches. Dans la nuit. Alors, est-ce que j'arrive en zone C? Mais il y a une autre entrée de mine. J'ai pas vu avant ces magnans. Oh là là. Je longe les murs à droite pour pas me perdre. Ok, je suis pas censé aller par là. Ouais, je suis pas sûr que je sois censé me promener dans les mines.
On va supposer que j'ai pas besoin de l'étoffe. Et que il me faut surtout le souci. Donc a priori j'ai marché en suivant cette route. Ah j'étais près de l'accident. Oh, ça se trouve je suis le... Non je pense pas. Ah je sais plus exactement où je suis. Ah, je peux toujours tenter de faire demi-tour. Ça m'arrive quand même fréquemment de nuit de me perdre. Comme on voit plus très loin. Oh, un Kuman qui a l'air de venir dans ma direction. Ils sont même plusieurs. Alors là c'est l'accident. Alors, je suis en zone B dans l'accident. Ok, alors je sais pas ce que j'ai fichu. Peut-être que j'ai suivi ce chemin-là. En tout cas, on va tenter d'aller plus bas. Ah, j'ai été repéré. Je le vois pas. Je vois bien quand même de nuit. Je suis surpris. Par contre, peut-être que dans la vidéo, vous voyez pas grand chose. Je suis désolé. Du coup, je me suis un peu perdu. On va tenter de retrouver un chemin. Si j'arrive à la rivière, c'est que je suis descendu vraiment très très bas. Si j'avais su, j'aurais préacheté du souci ou pré-trouvé du souci pour pas me faire de soucis plus tard. Ah, je suis en zone C. Alors. Voyons ce que cherche. Est-ce que tu saurais me trouver du souci, Magnan? Par là? La conso, il y en a partout. Je pense qu'il s'est trouvé les sacs, mais pas les plantes. On va se promener en zone C jusqu'au moment où je trouverai du souci. Ah, là, je sors de la zone C. Aussi. Ah. Je vais prendre la torche pour pouvoir voir. Ouch. C'est pas vrai, c'est un archer. Ah, mon chien l'a mordu suffisamment pour que il veuille bien se rendre.
Mince. Attaque. Hop là. Je veux ces flèches. Mon chien a fait un bon boulot. Alors. C'est... Regarde, tu... Oh, j'ai plein de viande de chien. J'ai des morceaux de viande. On va lui donner du lièvre. Hop. Donc par là. Maintenant je ne sais plus où exactement. Alors on est dans une zone bien particulière puisqu'on est en B et en C. Et donc on est par là. Ok. Poison sur lui. Tissu pour bandage. Ah. Oh, je suis censé en trouver 3. C'est pas vrai, c'était beaucoup. Oh, et du souci. On va les compter là, les soucis. C'est-à-dire qu'il y en a un peu plus que 10 dans la zone, que je sois pas obligé de trouver exactement les 10 disponibles. Ça, c'est du souci encore. Avec celui qui est là-haut. Ah non, 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 il doit en rester un quelque part. Là. On va regarder plus bas. Oh là. Oh, il y en a même un peu plus. Par mesure de précaution. On va tenter de rentrer. Je pense que j'ai pas besoin des étoffes supplémentaires dans les mesures où j'ai beaucoup de bandages. Ce que j'ai cru comprendre. Alors, comment on affiche plus de. Ah, c'est pas. Bah, alors attendez. Pourquoi il m'affiche la carte et pas les informations complémentaires ? Ah, c'est X, ok. J'ai laissé de l'un pour penser les blessures de Samuel. Je dois trouver plus de l'un pour les rouvrir à nouveau. Ok. C'est pas tout à fait clair pour moi si jamais je peux m'en sortir juste avec mes pansements. Ou si j'ai besoin de tous les morceaux de l'un. Ah, ça c'est à vue de nez le petit ponton
sur lequel je suis monté pour admirer la vue. Ouais, c'est ça. On pourrait s'abriter dans la grotte quand même pour éviter de prendre l'eau. Je sais pas si elle va passer la nuit. Sam, réveille-toi. Sam. Sam, réveille-toi. Debout. Non, non, Samuel, c'est fini maintenant. Allez, tu te réveilles sur le champ. Non. Non. Non, je t'en prie, Sam. Non. Non. Non, 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 tu peux pas. T'as pas le droit de me faire ça. Sam, s'il te plaît. Non, non. Non, non. Nos soins n'auront pas suffi. Tous est mort. Magnan, qu'allons-nous faire? Penses-tu qu'il y ait des survivants dans le village? Ou peut-être au château? Oui, le village pour trouver des survivants. Ok. Rien d'intéressant par ici. Bah lui, il est décédé. Alors, hein. Au pied. Qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé quelque chose, mon grand? Ah, découvrez où Magnan souhaite vous emmener. Très bien. Ici, il y a des sacs de cailloux. C'est peut-être du minerai d'argent, mais... Oh, un casque de Kumo. On va virer la torche. Où m'emmènes-tu? Oh, on voit tellement mieux quand il fait jour. Un beau lever de soleil. Hop, où vas-tu? Oh! Maudite jambe! Olba? Que s'est-il passé? Et cesse de crier, tu vas attirer ces païens par ici. Je dois partir d'ici, trouver les autres, les prévenir. Comment as-tu survécu à l'attaque?
Je me suis caché au sommet de la colline et j'y suis resté jusqu'à la nuit et que les cris s'arrêtent. Tout Scalis était en feu. Je sais, je l'ai vu aussi. Je voulais aller à Thalberg pour les prévenir, mais en descendant la colline dans le noir, j'ai perdu l'équilibre et j'ai dévalé toute la pente comme un sac de charbon. Oh, j'ai mal partout. Tu es blessé ? Que puis-je faire pour t'aider ? Je crois que j'ai quelque chose à la jambe. Je l'ai tordu en tombant. J'ai réussi à me traîner jusqu'ici, mais je suis vidé maintenant. Laisse-moi jeter un œil à cette jambe. Peut-être que je peux te remettre en état. Bon, très bien. Mais fais attention, d'accord ? Il faut croire que tu as eu de la chance. Tu n'as rien de cassé, sinon ta peau virerait déjà au bleu. Garde ta jambe levée pendant un moment. Et quand tu te sentiras prêt à repartir, essaie de ne pas mettre trop de poids dessus. Trouve un bâton pour t'appuyer. D'accord. Merci. Je pense pouvoir me lever des bâtons. Mais tu veux bien m'aider jusqu'à la route ? Ce sera plus facile de marcher une fois là-bas. Oui, oui. Je vais t'aider. Appuie-toi sur moi. Ah, en voyage rapide, je pensais que j'allais me peiner à l'emmener jusque là-bas. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Partir d'ici. Mais où devrais-je aller ? À Thalberg, comme les autres. Raconte-leur ce qui s'est passé et demande à ce qu'on envoie de l'aide. Très bien. Et je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Mais pas de soucis. Toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Eh bien, je vais aider les autres survivants. D'autres survivants. Comme tu n'as pas l'air d'avoir froid aux yeux, tu pourrais aller voir dans les ateliers de la mine ou explorer les fermes autour de Scalis. Les gens se sont cachés là où ils ont pu quand l'attaque a commencé. Que Dieu veille sur toi, Thérèse. Donc c'est là que va commencer le succès, sauver tous les survivants. On s'arrête là pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu et à bientôt dans le suivant.